Oh, why my sin? Bon, est-ce que le live est lancé? Ouais, le live est lancé. Ok, parfait. Bon. C'est parti les amis pour l'épisode 11 de ce mode KRA Manager. Alors ici, pour cet épisode 11, qu'est-ce qu'il nous réserve? Ben on nous réserve 5 matchs, donc ça va être un mode très chargé. Alors j'ai vu que j'avais déjà un commentaire. Mon PC, putain, galère à s'allumer. Donc je vais le regarder vite fait ici. Fan numéro 1 toujours là. Bah ouais baby, bah ouais, ton frère il me descend, je vais lui dire ce soir. Marvin, tu n'es plus mon fan numéro 1. En plus lui il a eu fini à 2 heures. Et j'espère que ma fan numéro 1 va rester jusqu'au bout. Bon, on est parti pour le premier jeu de cet épisode. Mais tu sais bébé, je suis en bad mood. Je pensais pas que le décès de ma prof m'a fait autant mal au cœur. Pour te dire à quel point c'était une prof. Exceptionnelle. J'ai mal au cœur comme si c'était quelqu'un de ma famille, quoi, tu vois. Qui est décédé, c'est. Ça fait mal au cœur, quoi. En plus, dans un mois, elle allait fêter son 32e anniversaire. Florent, il vient de me dire. Bon, il s'allume toujours pas ce PC, je regarde ici. Putain, tu connais plus la vie de mon frère que moi. Je suis à la Louvière. Déjà? Mais tu m'as même pas dit que t'étais dans le but. Je te dis à chaque fois de me le dire, tu me dis rien. Pour vous, puisque les conditions de jeu sont parfaites, il fait beau. Pour commentaire, c'est bien sûr le duo Matoudenès qui va vous accompagner. Au menu aujourd'hui, une rencontre de Ligue 2 BKT, le Clermont Foot. Contre Toulouse. Ouais, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes. Alors Clermont, c'est une équipe que j'aime bien parce que, enfin, ouais, que j'aime bien parce que j'aime bien Clermont-Ferrand parce que je connais quelqu'un qui habitait une dame Bertonier. De 40 ans. Il prend sa chance. Ouais, l'arrêt du gardien sans souci. Toulouse qui reste sur un match décevant, battu à domicile face à Guingamp. L'équipe avait été battue 2-1, mais je la sens capable d'un sursaut d'orgueil aujourd'hui. C'est pas la question, on va les battre. On va les battre. Et on joue à Clermont-Ferrand. Et on va prendre la victoire à Clermont-Ferrand. On va rendre le ballon là parce que. Le décalage qui va sans doute venir. Un talon. Les visiteurs qui ont la meilleure attaque du championnat. C'est un élément qui peut avoir son importance. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Ah, la défense qui a du mal. Oh, le but du score. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Alors, que me dit mon bébé? Je suis dans le train pour Mons. Ah, super. De cette on va faire attention à toi. Assois-toi bien dans ton canapé et regarde bien mon live. Et c'est le TFC qui mène. Je mange des œufs encore aujourd'hui. J'ai l'impression que maintenant tous les lundis c'est des œufs. Pff, ouais, mort. Pas envie de manger des œufs. TJ Higger. Faut trouver l'ouverture. C'est complètement raté. C'est une sortie de but à suivre. Ah,
Bertonnier. Allez, il tente la petite passe aérienne. Il avance balle au pied. Tacle de la dernière chance dans la surfrappe. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Je vais quand même avoir penalty. Centre peut-être dans l'axe. Il faut trouver une option disponible. Non, pas comme ça, oh, c'est un but de caca ça. Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Ah, le gardien impuissant hein, sur cette frappe. Il faut souligner la qualité de cette frappe, là, qui a quelques centimètres du poteau, c'est parfait. Et ils égalisent donc un but partout. Mélan Iglesias. Ah non, il rentre le ballon. Je regarde ton commentaire, je sais pas si mon PC s'est allumé, donc j'arrive sur Twitch sur le PC. Comme ça, je pourrais voir mieux tes commentaires. C'est bien joué défensivement, bien vu. Putain. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Ils donnent de fil à retordre, là, les Clermont-Ferrantais, là. Bertonnier. Je sais pas comment ils appellent. Essaye de trouver la faille. Oh, le gardien qui gagne son Oshoa, il est là, Oshoa. Corner. Allez, pourquoi pas un but pour prendre l'avantage au score. Go, 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 Taguer. Je suis dans le truc. Gars, je touche à peine mon poignet, j'ai trop mal. Arrête de m'appeler gars. Si ça passe pas, ben faut aller chez le médecin et arrêter hein. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ah, elle est en couple. Le public qui combien de temps, deux semaines. Et dans le tir qui est contré. Son gars va lui dire que c'est un gros payo et tout ça, et elle va pleurer quand elle va lui dire. Ah, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Oh là là. Bon, tant mieux pour elle, hein. Comme ça, si elle, elle te lâchera un petit peu les basques. Avec un tir. Ouais, l'arrivée du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Elle est en coupe depuis le 25 et tu me le dis alors, seulement le maintenant. Ça explique assez bien ce qui se passe. Cette équipe se crée finalement peu d'occasions et beaucoup moins qu'espéré. Ah ouais, donc en fait, elle te lâchera pas les basques. Il va pouvoir centrer. Boum. Oh non. Le ballon qui revient en jeu. Elle a été chercher de la lingerie et tout avec lui. Moi je l'ai appris ce matin. Ah ouais, ça. Pamela Iglesias. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas d'elle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est à la moitié du chemin, c'est reparti. Donc, tempo 45. Bah, tant mieux, c'est déjà ça. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va voir, essayer de voir lesquels. Sébastien Delas. Ça marche, tant mieux pour elle. Hein. Diver Machado. On écarte un petit peu. Après, qu'elle ne vient pas me dire que je suis quelqu'un de toxique alors qu'elle ne me connaît pas et qu'elle ne s'est jamais regardée dans. Un trop appuyé, le gardien va se saisir du ballon. Avec son gros nez, là. C'est elle qui est toxique pour toi. Il file vers le but. Elle prend sa chance. Ouais, le gardien qui sauve son équipe sur cette action. C'est super bien joué de sa part. Pourtant, c'est pas facile de gagner ce genre de face à face. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Quel arrêt spectaculaire. Ah, il fallait le sortir celui-là. Ouais, à cette distance, on pouvait penser qu'il perdrait ce duel. Ah, dommage, elle était belle cette tête. Le public y a cru. On a entendu sa réaction, mais ça passe au-dessus. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre.
Ah, ils ne les laissent pas respirer, hein, leurs non. adversaires, c'est assez bien vu. Quelle erreur, quelle erreur. Je lui ai dit que j'étais choqué qu'elle soit en couple. Ouais, ça. Et elle t'a dit quoi? Elle va partir en contre, attention. Ah, bon centre, mais la défense est sereine. Et il a préféré dégager ce ballon. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, il est bien placé pour centrer. De Jäger. Ouais, peut-être un changement de possession. Il en a du mal. Damien Iglesias. Mais il joue trop bien. Ouais, ouais. Par-dessus. Ouais, il a bien lu le jeu. Ouais, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. La défense qui est pas très en place, hein, me semble-t-il. Le dégagement. Non, pas comme ça. Danger. Voilà, voilà. Je vais faire un changement, je peux pas. Je crois que je l'appuie sur pas. Elle a rigolé en même temps, ça fait pas longtemps, elle était plus avec Rocco. Bah ouais, donc c'est qu'elle l'a pas vraiment aimé. Ou alors c'est qu'elle passe. Elle s'appelle Mimi Mati et elle passe. Chut, aussi vite comme ça quoi. Alors qu'il donne ses dernières consignes, un joueur qui va rentrer. Bertomier. Ouais, si elle a bien, tant mieux pour elle. C'est un petit peu enfermé et le ballon qui est sorti. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Non, ça ne donnera rien au final. Heureusement. Frérot, ils sont sur tous mes ballons, gros. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Ça n'ira pas plus loin. Allez, les Toulousains vont essayer de construire, histoire peut-être de prendre l'avantage. Il y va tout seul. Premier poteau, le centre. Et le but! Le stade qui s'enflamme! Oh, le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes! J'ai l'impression que ça sent la bouffe. Mais j'arrive pas à détecter quoi. Je sais pas si ça sent la pâté pour chien. Ou si ça sent le chou-fleur, ou si ça sent la. Tu vois, alors, je vois la contre-attaque. Je crois que j'ai le nez bouché, je crois. Timing. La tête est bien placée pour tromper le gardien. Et sur ce ralenti. Ah merde, je vais te faire mon changement. Qui nous est proposé, ça va être intéressant. Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh ben, les voilà qui prennent l'avantage. Ouais, c'est sûr, c'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score. McFly et Carlito, hier, dans leur vidéo, ils ont été à EY, bébé. C'est près de chez toi. Après de chez ta mère. Parce qu'il y a un mec qui s'est tatoué leur visage sur la cuisse. Alors, ils lui ont dit que, vu qu'il a fait ça, ils vont lui donner. À chaque fois, ils vont sortir un livre ou un jeu de société ou qu'ils vont faire un concert parce qu'ils vont aller en tournée faire des concerts et tout. Ah ben, il aura tout gratuit pour lui et ses proches, à vie. À chaque fois que. Donc, voilà. Ils lui ont offert une guitare super chère parce que c'est un guitariste. Et alors, ils ont dit à la fin de la vidéo, toutes les personnes qui feront un tatouage d'eux, ils iront manger chez eux et tout ça. Donc je vais aller me faire tatouer McFly et Carlito, bébé. Après, il y a tout le monde qui va le faire, donc je pense pas qu'ils vont, tu vois, en sachant toute la communauté qu'ils ont. C'est fini. De quoi deux et fois on confirme donc cette victoire à l'extérieur. Ah, ça a été dur jusqu'au bout. Ah ouais, ça a été dur jusqu'au bout, mais on l'a eu. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. La victoire. Tu as tatoué mon nom. Ah, tu veux pas te faire tatouer le mien? Bonjour madame. Bonjour ma fifi.
Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Si on fait ça à deux bébés. Moi j'ai envie de me faire tatouer, c'est par exemple quand mon bébé il naît ou quoi. Tu vas mettre son pied dans, je sais pas moi, de l'encre, enfin tu vois, dans un truc tu vois, qu'on peut mettre sur une feuille et aller me faire tatouer son pied ou tu vois, ou sa main. Ça serait un truc qui me. Pour l'instant j'ai pas de sous pour faire tout ça. Plus tard j'espère. Allez, on enchaîne sur le deuxième match. Ils sont 9e, je sais pas c'est quoi le nom de l'équipe. FCSM. Ouh, gestion d'équipe là, on doit faire tourner l'effectif. Ça ne va pas. Bah, Lucky Shaw, on va mettre. Tac. Tac. Ah ouais, mais lui il a pas de condition physique, frérot. Ouais, je suis obligé de faire ça parce que lui il est crevé à mort. Je vais regarder si j'ai pas un DG dans. Ah merde! Pogba? Ah ouais, il y a un Pogba, je crois que c'est le petit frère de Paul Pogba qui... ou le grand. Ou Martial? Ah ouais, putain. Bon, on va laisser comme ça. Taratata! Taratata! T'as été promené ou t'as ma vie? Ouais, elle a été promenée. Ouais, je t'ai entendu ouais, quand tu sors. Tara, chaque fois qu'elle va promener, bébé, à chaque fois qu'elle sort de la porte. Donc elle sort dehors, elle fait comme si toi elle disait ah les gars je suis de sortie. Je vais me faire tatouer un 19. Pourquoi un 19? Parce que t'as 19 ans. Oh je rigole. Tatoue-toi ma tête. Salut à toutes et à tous. C'est une très belle soirée qui s'annonce pour les deux équipes. C'est Sochaux, mon je sais pas quoi. Et donc pour vous, puisque les conditions d'eau sont parfaites, il fait beau. Au micro, bien évidemment, Pierre Ménès. Appelé ici Pedro Ménès et moi-même, Hervé Madou. Au menu aujourd'hui, une rencontre de Ligue 2 BKT, le Toulouse Football Club contre le FC Sochaux. Alors mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Pour notre date, du con. Puis j'ai pas 19 ans en moins. La composition ah, je sais, bébé. Un 19. Ouais, moi, pour moi, un 19, je peux me le faire tatouer, tu vois, parce que si par exemple, ça vient être fini avec moi, ce que j'espère pas. Je pourrais dire le 19, ben voilà, c'est la date qui représente la naissance et la mort de ma mère, quoi, tu vois. Toi, le 19, il te rapporte quoi? Que moi? Si ça doit être fini, tu vas dire quoi, bébé? On voit bien qu'il ne Après, de toute manière, ça sera pas fini entre nous. Ils prennent leur temps. Il n'y a pas. Connais de Jäger. Ça, c'est donné à l'adversaire. On n'a pas cette question-là à se poser. Le quoi. Classement Pierre qui nous montre que tout est en train de se mettre en place pour la bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Ah, c'est pas fini encore. Ce qui m'a mis.
Il est super rapide, lui. Ourega. Voilà un match qui commence fort. Ok, je le ferai pas. Bah si, bah tu peux le faire. Bien sûr que si, il dit pas de... Je dis ça pas ça pour pas que tu le fasses. Attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Mais bon, faut que tu sois sûr de toi, quoi. Pas la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Le numéro 10. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Je crois qu'à l'instant il y a eu un but, on va demander à notre camarade de nous en dire plus, c'est où? Oui, 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 il s'agit du premier but pour Guingamp. Un but à zéro donc, après 12 minutes de jeu seulement, Hervé. Merci infiniment. D'accord, mais excuse-moi. Les passes qui sont très soignées, ça sert c'est pourtant bien, j'ai pas envie que ce soit fini, je te le dis. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Je veux que tu sois sûr de toi, c'est tout. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Bonne lecture du jeu hein, sur cette interception. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Bonne intervention près de la ligne de touche. Ouais, qu'est-ce qu'il vas-y, Henri, c'est quoi cette passe? Il a donné le ballon directement à l'adversaire. N'oubliez pas que notre partenaire en article de sport... Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Le centre au premier poteau. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. De Jäger. Robin Gabrielsen. Elle a peut-être une bonne occasion. Oh, ça, ça peut être dangereux. La reprise de volée. Oh, elle est belle. La reprise, magnifique. Magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée. La perfection de cette reprise de volée. Regarde-moi ça, mon petit Hervé. Il la joue en confiance, avec de l'équilibre, le regard fixé sur le ballon. C'est sublime. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Il n'y a personne qui a fait... Il y a des gens, ils ont aimé mon TikTok où je fais ma pub, et il n'y a personne qui s'abonne à moi, je suis deg. Moi, je veux pas avoir 1 million d'abonnés, je veux juste en avoir 50, quoi, et pour être affilié. Il est en train de péter un câble sur le chien, je sais pas si tu l'entends. Allez, les chiens, ils font caboyer depuis le matin. On casse la tête. Celle qui m'a réveillé d'ailleurs tôt ce matin. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est l'avantage. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Ah, ils étaient sous pression, il dégage. Très bon coup franc. Tu mets plus de commentaires, bébé. Dangereuse. Allez, un coup franc pour prendre l'avantage dans cette rencontre, pourquoi pas. Oh là là, il est allé le chercher, ce ballon. Oh, quelle détente, quel plongeon. Et pourtant, il était loin du ballon, mais finalement, il a réussi à écarter le danger, bravo. Un coup franc, finalement, dans les gants du gardien. Bon placement du gardien qui a anticipé la trajectoire de ce ballon. Le centre est dévié. Ouais, la frappe. Elle frappe contrée par le défenseur. Seulement 1 minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Ouais. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Ah, il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. Bon, Pierre, je sais pas ce que t'en penses, mais il a été plutôt bon comme un chien, ces 45 premières minutes. Hein. Je retiens surtout son but hein qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment. Tu vas aller où? La bonne croque. Oh yeah. Comment ça?
joueurs ils sont crevés, je sais pas quoi dire. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Dis-moi des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fera quelque chose. C'est bien vu. Ouais, l'arbitre qui siffle et accorde le coup franc. Ah, un coup franc plutôt lointain quand même, mais ça a pas l'air de lui faire peur. Hein. Bah finalement, ce ballon qui passe tout près. Ça aurait fait un joli but. Je crois qu'à l'instant, il y a eu un but. On va demander à notre camarade de nous en dire plus. C'est où? Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Valenciennes. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. C'est parfait. Merci pour ces infos. Ah non, mauvais tir. Ça passe très loin du but. Quand tu me prends dans tes bras, que tu parles tout bas, je vois la viande. Tu me dis des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. C'est lui pour moi, moi pour lui, toute la vie. Pourquoi je dis lui alors que t'es une fille? J'ai pas compris. Il se retourne. Et il barre. Je chante bien quand même. Non? C'était superbe, vraiment. Ça a motivé mes joueurs. La défense n'a pas eu le temps de réagir, elle fait au fond. C'est propre. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Alors qu'on arrive aux deux tiers. Ouais, je regarde, mais plus qu'une demi-heure à jouer. Pour avoir quelques petits joueurs ici en défense. Peut-être rappeler ceux qui sont prêts, je sais pas. Connais. On s'approche de la zone de vérité. Maillot. Le Toulousain qui font bien circuler le ballon. Ah. Allez, oh. Il va marquer. Quel but. Oh, le but qui permet à l'équipe. Quel vent magnifique. Tu le penses, bébé, ou c'est juste pour te foutre de moi? Allez, c'est dur à digérer pour la deuxième. Tu vois, je trouve que je chantais bien là. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Voilà ce qui arrive quand un gardien est omnubilé par le ballon et pas par le jeu. Il ne suffit pas de stopper le premier tir, il faut aussi mettre tes coéquipiers hors de danger. Sinon, ça se paye cash. Neuf des jeux. Quoi ça? Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Bayou a fait un très bon match, il a marqué son but, il a fait une passe D, je crois qu'ils l'ont compté comme une passe D. De Jäger. Ah, c'est mal joué, la peine, il aurait dû attendre un peu. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Non, je le pense pas. Ah. Alors qu'un changement ça fait mal à mon ego. A priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Allez, peut-être une bonne occasion. Tout est fini entre nous. Le pousse, ça peut voilà, mais ouais, mais tu me dis que je chante mal, c'est normal qu'il marque. Ça nous promet une fin de match passionnante. Le numéro 2. Un petit but qui les sépare désormais, le score est 2-3-2. Prochain changement, je vais faire rentrer Andrade. Mes joueurs ils sont cuits. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Oh, attention, ça peut coûter cher cette erreur. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Attention, le tir. Oh non. Ciseau extraordinaire. Oui, le ciseau extraordinaire. Ce qui m'a mis. Allez, encore une égalité. Il y a d'autres matchs, hein, vous le savez, qui se jouent en ce moment. Et je crois qu'il y a un but a été marqué à l'instant. Oui, il s'agit du premier but pour Grenoble. On en est donc à 2-1, tandis qu'on joue la 80e minute de jeu. Attention, non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Changement pour le FC Sochaux. Insister à un changement dans cette équipe. Il a tiré ce corner. Oh, j'en vois dedans, putain.
côté. Ouais, c'est quand même un petit manque de réussite parce que techniquement, c'est quand même pas mal fait. Faut être honnête. Ah, une fin de match à suspense. Hein. Il ne reste plus que 5 minutes. Allez, les gars, on se bat. Allez, s'il marquait sur ce ballon, hein, ce serait le bon moment. Putain, allez. C'est dans le paquet. Ah, le danger ne viendra pas, en tout cas, de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre, quand même. Bien quitté. Occasion de prendre l'avantage. Non, c'est contré. Non. Et c'est encore lui sur le ballon. Non. Reprends la balle, reprends la balle. Non, là, oh non, pas hors jeu. Hors jeu signalé par l'assistant. Allez, 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 arrête. Ma dernière action, on a la balle. On a. Non. La fin du match à l'instant. Et donc le score de parité entre les deux équipes. Ouais, un match à. Ah, c'est la fatigue, hein, c'est la fatigue. On aurait dû gagner, mais voilà, c'est. C'est frustrant, quoi. On perd sur des détails. Enfin, on ne perd pas, on a fait un match nul. Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match. Voilà, encore merci. Ah, de rien, j'ai pas le temps de niaiser là. Je dois regarder un petit truc. Alors. Chez mes jeunes, qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai un gardien, un DC. Ouais, mais ils augmentent pas, frère. Ils augmentent pas, gros. Transfert. Agent libre. Défenseur droite. On va en prendre un. T'as 22 ans. Ouh, toi t'as une sale gueule, t'as 35 ans. Hein. On va demander de te regarder. Un DG, qu'est-ce qu'on a? On a Lucas 69, Koulibaly. On va aller le chercher, il a quel âge? 28. Je suis à Mons, bébé. Ok, t'as ton train à quelle heure, chérie? Tu vas être une rotation. Ah, tu vas être important, Couli. Bon. En DG, on en a un. Ça va être, on va essayer de se taper Fagioli. Oh, j'ai pas assez. Échange de joueurs. Milieu, qu'est-ce qu'on a en stock? On a quoi? Est-ce qu'on a des gens?
Ah, ça va, il va arriver, bébé, t'es bientôt chez toi. Il n'y a pas d'AD, toujours pas. D'AG. De BU. Non, non. On a pas besoin d'AB. T'as 62, t'as 26 ans. Ouais, non, c'est bon. On va essayer de faire avec ça. Merci. Bon. Toi, t'as combien? T'as 69 aussi. Est-ce que t'es mieux que Macchiato? Ma Shadow est mieux. Et à 45 j'ai mon bus. Donc s'il est à 14 t'arriveras vers 30, non, à Carnion. T'attendras pour tu devras attendre un quart d'heure, ça va. Un bébé, ça va quand même. Je vais leur mettre un petit peu de jour de repos là parce qu'ils sont morts. Toute cette semaine-ci de congé. Et maintenant on bosse l'équipe. T'arrives à 25, ouais, donc tu devras attendre 20 minutes. Bah ça va, il fait pas trop froid dehors, bébé. Toi t'as un rap... Oh t'as 57, ok. J'étais plutôt en bonne forme en ce moment, je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Il connaît, j'y songerai. Tu veux jouer, tu vas jouer, mais t'as intérêt à être bon. À l'ombre, oui, mais au soleil, non. J'espère que tu seras au soleil, alors, bébé. Et demain, en fait... demain, t'as cours sur PC. Bébé, non. Oh, putain. Salut à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Bien évidemment, au commentaire, la fine équipe, c'est-à-dire Pierre Ménès et moi-même Hervé Mathieu. Au menu aujourd'hui, une rencontre de Ligue 2 BKT, Lens-Nancy-Lorraine contre Toulouse. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Mais bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Oui, j'ai plein de choses à faire. Ah, donc on se voit pas demain alors. La frappe. Oh, à côté. Oh, il la met à côté. Ah ouais. Oh non, c'est pas possible. Ah, alors ça sert à rien que je te dise. Enfin, ceci dit, ça s'est pas joué à grand chose. Je t'aurais dit de venir du matin et que t'aurais pris ton PC, quoi, tu vois. Diver Machado. Ben, du matin comme d'hab, 11h. Ben non, vu que t'as. Passe en profondeur, attention. Oh, le but peut-être. Et la puissance, ça c'est clair. Je suis dans le train, nickel, bébé. La précision manquait un peu. Ouais, c'est justement ça la nuance, tu vois, Hervé, c'est dans le un peu. Allez, voici le classement.
constaterait qu'une victoire permettrait aux visiteurs du jour de prendre la première place. C'est ambitieux, mais pourquoi pas. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Le ballon qui a été contré. Ah putain, c'est un crâne. Toulouse, une formation qui avait dû se contenter d'un match nul à domicile face à Sochaux. Un match nul avec un score fleuve, hein, 3 partout au tableau d'affichage. Allez, encore un nul. Allez, il faut centrer. Ouais, joli contre du défenseur. Koné. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, la bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Ah, le centre dégagé du point par le gardien. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Hors jeu. Oh, but ! Ah ouais. Ah, l'arbitre assistant a signalé une position de hors jeu avant le but. Je vais m'arranger à quelle heure c'est bien un besoin de moi. Si pas, je viens chez toi et au pire, je fais court chez toi aussi. C'est pas un problème ça. Et si pas, on sera jeudi avant que j'aille chez ma pote. Mais ouais. Là, j'espère que jeudi ce sera bon pour. On s'approche de la zone. Pour le colivine, peut-être que je dois envoyer quoi. Tu dois faire quoi avec Sabrina? Ah, c'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération de Jäger. C'est la magie du multiplex, on va prendre des nouvelles de ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'il y a un but. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Chambly. Ça fait donc un but partout après 28 minutes de jeu, Hervé. Merci, c'était complet, c'était précis. Mais genre, je joue la balle. Il y a danger sur ce coup franc qui pourrait bien être direct. Le gardien va devoir être attentif. Oh, ça passe juste au-dessus. Ouais, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, c'est dommage. Koné. La conduite de balle, impossible de nous prendre le ballon. Et le but, déjà un but. Ça démarre bien. Alors qu'on voit revoir tout ça, d'abord il élimine un joueur en défense. Et c'est toujours rageant pour un gardien de se faire prendre au premier poteau. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Attendez, il y a eu un but, il y a eu un but, on va tout de suite savoir ce qui se passe et où. Oui, Hervé, avec le deuxième but, pour quand? On en est donc à 2-1, après 37 minutes de jeu. Merci à vous, c'est dans le paquet. Ouais, Benaro sur cette tête. Et c'est donc un corner pour cette équipe. Il va chercher à faire le break. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Il progresse. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ah, mais ils sont tous... Ah, il est bien parti, ce corner. Corner repoussé par le gardien. Je dois vider le reste de ma chambre. Je dois aller au parc-conteneur. Oui. Normalement, Anivel. Pourquoi tu dois aller à Anivel? Le lève son panneau. Une minute de temps additionnel seulement. Ouais, t'as plein de trucs à faire devant, donc ça va être tendu pour moi. Oui, ça circule bien, on est construit. On sera pas se voir, parce que tu dois faire tout ça. On cherche des solutions là. Ah, c'est pas grave. Ah, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ça sera jeudi. Tant pis. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage. Seconde période. Peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. À tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. De Jäger. Tu dois aller récupérer tes affaires. Koné. La frappe. Oh, sur le poteau. Il aurait été belle.
récupération et peut-être une action dangereuse. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas ça joue très très bas. Attention, le bon pressing. Et le pressing haut pour aller chercher ce ballon, ça a payé. Non. Il perd la balle. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. C'est pas sûr. Bon quand même. Il fait son match, clairement, rien à dire. Il fait ce que le coach lui a demandé. Et jusqu'ici, il le fait bien. Encore 45. Allez, il y a de l'espace devant lui. C'était une occasion nette, mais le danger est écarté. Non, je ne voulais pas la faire. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Oh, il va filer au but. Oh, c'est encore chaud. La cage complètement abandonnée par le gardien. Bah, il connaît, il a demandé pour jouer. Il a dit qu'il était en forme. Bah, j'ai bien fait de l'écouter. Non. Ok, bébé. Bah, tu me tiens encore en façon. Bah, je pense que ça va pas être possible qu'on se voit demain. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt que t'avais tout ça à faire? Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ça va aller au parc à conteneurs. Mais ce ballon est intercepté. Tu vois celui de Carnion. C'est sûrement lequel, celui où j'allais avec le copain d'Eloïs. Quand je travaillais là. Ah, bonne chance, la bonne série de passes de la part des lancéens qui espèrent toujours revenir dans ce match. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Attention, le danger. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Je sais pas. D'accord, bébé. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il y a plusieurs matchs hein, qui se jouent. J'espère en même temps, que jeudi, ce sera encore bon. Oui, Hervé, c'est le troisième but. Pourquoi j'aurais dû accepter. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1, tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Pas. Ok, c'est bien noté. Je ne savais pas qu'on avait une limite. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Il avait tout compris, là, le défenseur, bien vu. Allez, il tente la petite passe aérienne. Très bon geste défensif. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Il s'est ouvert le chemin du but. Attention le tir. Ah, il met ce but. Oh, que c'est beau. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire, bébé? Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire, c'est que par exemple si on se voit, c'est pas se voir demain, je viens en scout vite fait, tu me donnes le papier que t'as imprimé et je rentre chez moi quoi. Ou alors on attend Jadis, je sais pas. Qui amène le but. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Allez, on fait sortir nos trois. Nos trois joueurs. Je suis à Carnion. Il nous reste quelques minutes. Bon, ben, dans 20 minutes, t'as ton bus, donc fais attention. 20 minutes du temps réglementaire. On va laisser jouer, avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Attends, ben je regarde. Il était en bonne position. Ce qu'on peut faire, c'est que tu m'envoies par pour l'imprimer et tu viens le chercher. Ou toi. Ah bah voilà, t'as pensé à la même chose. Ouais, ben. Ouais, on peut faire ça. Ah. Ça joue un petit peu partout en ce moment. Apparemment, il y a je crois un but. Que si on sait. C'est sûr, alors on sait pas se voir demain, ben. Pour Grenoble. Un but à zéro, donc, alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Parfait, merci pour ce point rapide. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Ah oui, c'est bien fait ça.
Oh, le ballon dangereux. Ah oui, il le met. Peut-être à chaque fois qu'il rentre, il marque. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Après, je suis assez effaré par la détermination et la qualité de la finition du buteur, malgré la pression. Ils ont certainement tué le match. Hein. Le score est maintenant de 4 à 0. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? L'arbitre qui signe. Non, j'ai trop de choses à faire. D'accord, bon, on fera ça. Il faut que je me réveille demain, réveille-moi. Tu m'appelles. Il n'y a pas grand-chose à cette équipe aujourd'hui. Ils sont sûrs quand avant tes cours. Comme ça, c'est sûr que t'es chez toi. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il a la victoire au bout. Belle prestation de sa part, vraiment, avec 2 buts et la victoire dans la poche. Ah, la passe en profondeur, attention. Il faudra que je te les envoie demain. Pour que tu les imprimes. Il faudra que tu me réveilles demain. Mais la puissance, ça c'est clair. Belle victoire ici de la part de l'équipe. Bien fait les faire reposer une semaine. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Tu veux que je vienne vers 12h, vers midi? Oh putain. Merci encore. Qualifié Paraguay, non pas le Paraguay. Eh merde, du coup j'ai pas vu. Je connais qui m'envoie un mail. Bonjour coach, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté, que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Une bonne influence. Je te réveille vers 12h. Bah ça dépend bébé, t'as cours à quelle heure toi et tu dois partir à quelle heure toi, c'est ça qu'il faut savoir. Parce que si tu me réveilles à midi, tu vois, parce que le temps que je t'envoie le papier pour l'imprimer, que tu l'imprimes et tout, tu vois. Faut pas que ce soit trop tard pour toi, quoi. Moi, ça me dérange pas de me lever tôt. Ajaccio, ils sont combien? Seizième. Je vais faire jouer mon nouvel... mon nouveau défenseur. Merci à vous d'être ici. Nous allons pouvoir commencer. Bonjour, je vous écoute. Vous êtes bien parti pour le moment et il faudra sûrement compter sur vous dans la lutte pour le titre. Pensez-vous être capable de garder le rythme? Bien sûr. On est toujours positif. Dites-nous, Baleine, à votre avis, votre prochain adversaire peut-il s'imposer contre vous? C'est possible. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir? Ah, il ne faut pas se laisser perturber, messieurs, dames. Merci. Merci, c'est terminé. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Au revoir. J'ai cours à 12h50. Ben, réveille-moi vers 11h30. Comme ça, ouais, réveille-moi vers 11h30. Comme ça, je t'envoie le truc. Le temps que tu l'imprimes, moi je m'habille en mon aise et je démarre, quoi. Ouais, l'une des attractions de ce match, c'est lui.
Comme ça, on se fait un petit bisou. Hein, sur les trois derniers matchs disputés, il a marqué 4 fois. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Dans la ruelle. Non, je rigole. Salut à tous, les images parlaient d'elles-mêmes. La soirée s'annonce belle ici, très belle. Une belle ambiance, une excellente météo. Carmenès et moi-même, Hervé Batou, aux commentaires. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la rencontre de Ligue 2 BKT. Nous allons suivre ensemble le Toulouse Football Club contre l'AC Ajaccio. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Et le dernier mot pour le gardien. Attendez, il y a eu un but, on va tout de suite savoir ce qui se passe, et où. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Valenciennes. 1-0 donc, dans un match qui a débuté il y a seulement 8 minutes. Ils sont en train de s'en remettre bien. Merci infiniment. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Ce match va nous permettre d'assister à ses grands débuts. Un petit mot peut-être à ce sujet. Ouais, l'entraîneur a estimé qu'il lui manquait un taulier en défense. Je crois bien qu'avec ce joueur, il ne s'est pas trompé. Le visiteur qui devrait se montrer assez attentiste dans ce match, a priori. Ils ne sont pas réputés pour prendre le jeu à leur compte. Attention, si ça rentre. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Donne par-dessus. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Oh. Oh là là là, on a failli assister au premier but dans ce match. Un peu plus de lucidité dans le dernier geste. T'as bon pas répondu à ce que je t'ai dit, bébé. Allez, un peu de patience. Il semblerait qu'il y ait eu un pénalty d'inscrit dans un autre match. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Exactement, Hervé. Un pénalty pour l'équipe qui joue à l'extérieur. Mais ça n'a rien donné. Bien joué. Bonne sortie là du gardien. Il était dangereux ce ballon. Il a bien anticipé. Avantage pour Toulouse. Ouais, la faute était évidente. Mais lui, la jaune, et l'arbitre siffle coup franc. Quoi? Ah, je croyais qu'il allait lui mettre un jaune. Bon, bah là, il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire bon, ça va pour cette fois, mais attention maintenant, je vous ai à l'œil. On écarte un petit peu le jeu. On cherche une solution. Ah, il a levé son ballon. Allez, il a du champ. Allez, prends sa chance. Bah là, ils sont allés vraiment. Prendre quoi, bébé? Ouais, je t'ai dit. Putain, t'as un fameux décalage. Hein. Ouais, je t'ai dit. On se verra pas beaucoup, mais au moins, on se pourra se faire un petit bisou. Et on fera l'amour dans la ruelle. S'il y a des reproches à faire, après, c'est surtout la défense qui a été trop passive. C'est la magie du multiplex. On va prendre des nouvelles de ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'il y a un but. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but en faveur de l'Estac. Ça fait donc un but partout. On joue la 30e minute du temps réglementaire, Hervé. Merci pour ces précieuses informations. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Non, c'est dommage. Ça peut bien jouer. Ah, et ça sort en touche. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah, et bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. Ah bah action. Oui, on se fera un bisou, mais pas l'amour. Ah. Ouais, peut-être la passe. Véronique fait un infractus. Bon, il peut centrer. Ouh, il était temps là, il était temps. De Jäger. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Peut-être l'égalisation. Et le but, ils reviennent au score. Un but qu'on revoit en ce moment et qui va peut-être peser lourd dans cette rencontre. Concéder l'égalisation comme ça juste avant la mi-temps, c'est jamais bon.
Et voilà donc à égalité, un but partout. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée. T'es une petite joueuse, bébé. Seconde tu période. Vas pas faire ça. Peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. Tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. C'est la Cavinel. De la Keita. Il fait trop froid. T'inquiète, ça te réchauffera. De Jaeger. Je crois qu'il y a eu un but. Alors en été, tu serais pas contre alors. Oui, Hervé avec le deuxième but. Pour quand ? Allez, il faut le mettre celui-là. Contré. Ouais, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Non, j'ai raison, non ? Là, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Et ces images nous montrent encore, il avait parfaitement suivi l'action, il était bien placé pour conclure cette action. Je ne vois pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. C'est une petite joueuse, bébé. Il y a 2-1 donc maintenant. Rappelons que c'est tout simplement la meilleure équipe actuelle du championnat. C'est l'équipe à battre, c'est clair. À chaque match, elle doit défendre son statut de leader. Oh, le but peut-être. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Il y a d'autres matchs, hein, vous le savez, qui se jouent en ce moment. Et je crois qu'il y a un but a été marqué à l'instant. Oui, deuxième but à l'instant pour Valenciennes. On en est donc à 2-1 après 57 minutes de jeu. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. J'attends plus de détails, mais si son propriétaire se reconnaît, bah non, perdu. Merci d'aller la déplacer au plus vite. Merci. Oh, ça peut être dangereux. Oh, ça peut faire but. Et le gardien qui remporte son duel. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Pas de prise de risque sur cette intervention. C'est dégagé en touche. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Oh, l'énorme plongeon, il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai, mais surtout sa grosse détente. Bon, mon bébé, elle répond pas à ce que je lui dis parce que c'était une petite joueuse. Elle est pas d'accord avec moi, je crois. Le corner, le ballon en pleine surface. Mais l'action n'ira pas plus loin. Allez, dégage ta balle, mon garçon. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ben, ce serait pas mal, oui. On cherche des solutions là. Allez, oui, il va y aller. Ouais, il repousse, ça joue. Non, je suis pas d'accord. Ah bon ? Pourquoi t'es pas d'accord ? Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Attendez, il y a eu un but. Il y a eu un but, on va tout de suite savoir ce qui se passe et où. Et oui, c'est le troisième but en faveur de Valenciennes. Le score, le voici. Valenciennes, ils sont en train de remonter. 75 minutes de jeu, Hervé. C'est parfait. Merci pour ces infos. Oh, il a fait le plus dur, peut-être. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. On le revoit sur ces images. Faut que tu me le prouves alors, bébé. Il semer la panique dans la défense. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien.
Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Changement pour Toulouse. Joueur sortant. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. À sa place, le numéro 4, Ruben Gabrielsen. Ouais, lumineux cette passe. Attention, la balle piquée. Oh, non. Attention, c'est pas fini. Dommage, putain. Haha, tu vas me le prouver comment, bébé. J'ai remarqué là-dessus. À la limite, s'il s'était trouvé, je crois qu'il aurait encore eu moins de regrets. Touche. Changement pour l'AC Ajaccio. Alors qu'on va procéder à un changement. Le numéro 12. Ouf, ça passe. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Koulibaly, pour ton premier match. J'attendais autre chose, quoi. Le but, il est venu de ton côté. T'as du mal, quoi. T'es pas rapide. Bon. Coutadeur. Diallo. Centre peut-être dans l'axe. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ballon en profondeur. Voilà, ça y est, la fin je du sais match. Pas. Victoire à domicile pour cette équipe. Des idées, bébé. Ouais, cette équipe. Une petite joueuse, une grande joueuse a toujours des idées. Valenciennes qui gagne face à 3. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Merci. Ça... Ah ouais. Ça va être un petit peu un affront de 3, 3 qui est 3ème mais qui vient de perdre son match face à Valenciennes. L'équipe est en forme, faudra faire un ou deux petits changements mais... ou alors non. Donc on est premier avec 3 points d'avance sur Guingamp et on a 8 points d'avance sur 3. Donc là il faut faire la différence. C'est un match compliqué. Bienvenue à vous et merci pour votre patience. Si vous avez des questions, allez-y. Tout peut encore arriver. Ce qui se passe. La morale est un aspect stratégique. Voilà, c'est terminé. Plus de questions, merci. Au revoir. Rester comme ça. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qualifiées correctes. Nous allons bien évidemment commenter ce match avec Kamenes. C'est de la Ligue 2 qui est au menu aujourd'hui. L'Estac, le club de Troyes contre Toulouse. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. On sait qu'il base tout son jeu sur sa puissance athlétique. Je pense que ça va être encore le cas aujourd'hui. Je suis dans le bus, nickel bébé. Le numéro 15, Ryan Ravlosson. Et on termine avec
Hey, qu'est-ce que tu fais? Monte pas sur le PC, toi, Félix. Voici les 11 Troyens de cette équipe de l'Estac. C'est un 3-5-2 qui a été retenu. Ouais, pour étouffer l'adversaire au milieu de terrain, si possible. Alors que vous découvrez la composition de cette équipe de Toulouse. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, 1-4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend de... du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Attends, j'envoie un message à ma tantine. Parce qu'elle connaissait ma prof, donc elle a demandé, elle a eu cours. Parce que. Attends, mais c'est. Tout compris, là, le défenseur. Bien vu. Elle est femme de ménage à l'école. Mais en fait, elle était femme de ménage à l'école où j'allais avant à Mons. Et moi, je la connaissais pas encore à cette époque. Allez, oui, il va y aller. Ah bah oui, on commence très bien là, on commence très bien là. Tout est parti vraiment de ce ballon récupéré. Oui, quand tu passes ton match à gêner le porteur du ballon, tu finis par en récupérer et puis des bons en plus. Et ça peut amener un but, la preuve. Très bien donné, on le revoit ce ballon en profondeur, beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid. T'es là bébé? Moi tu me dis quand t'es chez toi. Voilà, le score qui est donc ouvert. Mémé, tu envoies mon mémé. Tu veux des doudous? Rappelons que c'est tout simplement la meilleure équipe actuelle du championnat. C'est l'équipe à battre, c'est clair. À chaque match, elle doit défendre son statut de leader. Allez, peut-être une bonne occasion. Il faut qu'il centre maintenant. Non, sans problème. Oui, mais je suis là. Le ballon t'es pas près de moi, donc je suis triste. Bon, du coup, bébé, est-ce que tu viens dormir chez moi ce week-end? Si oui, de quand à quand et où tu veux dormir? Que veux-tu manger? Je vais aller sûrement faire les courses de la semaine. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh, c'est encore chaud. Il prend la frappe. Oh, il y est. Qui permet à l'équipe de se détacher dans cette Il y a Doudou. Oui, Doudou est là, je sais, j'aime Doudou, mais un bras sans sa main, c'est pas complet, tu vois. Là, j'ai le bras, j'ai pas la main. Donc, je suis pas tout à fait heureux. Je sais pas, j'ai pas encore demandé. Je vais demander, mais je veux savoir quoi. Ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Et quoi, ton père et Sabrina, alors ils dorment déjà dans ton ancienne chambre et ils dorment dans ton lit alors? Et toi, ton lit, tu dors actuellement, c'était le lit de Arnaud en fait. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, le ballon dangereux. Bon, oh, qu'est-ce que tu rates toi? Il s'est posé trop de questions et comme il n'est pas très intelligent, c'est raté. Pouille. Pourquoi tu me dis pouille? Je sais que tu voulais me dire oui, mais par rapport à quoi? C'est que Dieu. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. C'était un. Le gardien qui sort vainqueur de ce duel. Ah, bah tant mieux alors. Non, il était pas sale ni rien quoi. Tant mieux. Et tu vas faire quoi quand tu rentres bébé? Est-ce que tu joues tout de suite? Est-ce que tu joues pas tout de suite? Ne donnera rien. On peut pas dire que ce soit de la maladresse. Non, t'as le petit Yann, il se perd à chaque match ou quoi? Hier il s'était déjà perdu. Bon attention, c'est pas fini. On a 2 buts d'avance, mais bon ils vont. Ils sont susceptibles d'en marquer un. Voire 2, peut-être 3. Les gros exploits personnels, attention. Le gardien qui repousse, ça peut revenir.
sais pas encore, mais d'accord. Bah, tu me dis quand t'es chez toi. Je suppose que quand tu seras chez toi. De toute façon, ça c'est mon dernier match, donc je vais bientôt finir le live. Oh, le défenseur intervient au dernier moment. Ça, ça passe beaucoup plus vite quand on parle. Tu vois, là, tu m'as parlé, mais j'ai l'impression que ça, j'ai fait deux matchs alors que j'en ai fait cinq. Ils ont continué à progresser. Boum. Oh non, les gars, appliquez-vous. Quel dommage que ça se termine comme ça. Bah oui, mais que veux-tu, quitte à rater, autant rater. Franchement, au moins, ça a le mérite de la franchise. Oh, il est drôle, Hervé. Ah non, c'est Pierre. Hors-jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu, hein. Oh, le grand danger. Oh, en plein dans le gardien, dommage. C'est un match. Alors, il n'y a pas de temps d'arrêt, c'est ça qui est bien. Oh, bien vu la talonnade. Ah, beaucoup d'assurance, hein, dans son geste. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Allez, Morera. Ah, il se tire le muscle. Oh, oui, il y a un joueur blessé. Oh, quel c'est un simulateur. J'ai cru qu'il était blessé. Moi, j'étais triste pour lui. Regarde, au moment où il marque, le mec, il se tient plus la jambe. Le réalisateur regarde, qui nous des images lui, il va se tenir la jambe, celui qui a la balle, gars. Le bon timing, la tête oh, ma jambe. Et là, j'ai plus mal. Le but sous un autre angle. Oh, miskin. De quoi, miskin? Tu dis miskin pourquoi toi? Donc maintenant, le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel. En faute, frère. Ah oui, c'est très net, coup franc. Un coup franc plutôt lointain quand même, mais ça a pas l'air de lui faire peur, hein. Ouais, il combine à deux. Le défenseur qui contre ce ballon. Et c'est la mi-temps, sifflé à 1-1 là. Sur ce score serré, hein, de 2 buts à 1. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période. C'est dommage qu'on soit encaissé, mais bon. C'est serré, on a la possession. On va faire un petit changement parce que Spierings se sent pas bien. Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. T'es rentré tôt aujourd'hui. Ça va quand tu rentres tôt comme ça. Je rentrerai mes... J'ai fait mes trois changements déjà à la mi-temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai besoin de laisser reposer les autres joueurs pour qu'ils soient trop fatigués. Ouais, ça joue pas mal. Ils sont en train de revenir dans ce match. Ils peuvent espérer égaliser. Oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Pas facile de juger, mais ça a dû se jouer à pas grand-chose. De Jäger. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Il sort pas. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. On récupère. Ouais. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge. Oh, là-bas. Obstruction. Je garde la balle. Et je marque. Ça, c'est ce joueur aussi. Il finit pas sa carrière au Real de Madrid. Il ne comprend pas. Il y a peut-être moyen qu'en mois de janvier, je reçois déjà des offres. 17 buts déjà. Wow, il est chaud. Et alors, c'est un remplaçant. Imagine, ce serait un titulaire. Il te mettrait un triple à chaque match. La touche. Spec. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Spec.
devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Un petit peu trop fort, quoi. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision hein, sur cette passe en profondeur. Maxime Martelmé. Il cherche un coéquipier dans la surface. Il y a Ochoa qui capte ce ballon. Koné. Un mauvais ballon, ça. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Azamoum. J'aimerais au moins qu'il finisse. Ça dépend le club qui veut de lui. Si c'est un club que j'aime, comme le Real ou un club comme ça, je ferais peut-être partir. Ouais, les défenseurs qui enrayent. Mais si c'est un gros club avec Jampo, je le garde. De placer une contre-attaque. Au moins jusqu'à la fin de saison. Il progresse vers le but. Il prend sa chance. Ah, c'est bien joué. Ils ont su profiter des espaces pour mener une contre-attaque fatale. Ouais, comme à l'entraînement, bravo. Alors qu'on revoit la contre-attaque, franchement, à cette distance, c'est impossible de rater. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. Hein. La décision est faite. Florian Tardieu. Jimmy Giraudon. Ils font tourner en attendant une ouverture. Allez, par-dessus, pas mal. Le gardien qui repousse. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ah, il s'est arrêté, putain, dommage. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. Je crois qu'il n'a pas raté un tacle de tout le match. Ça presse haut, attention à ce ballon. Un tir raté et pas qu'un peu. On entre dans la zone dangereuse. Alors le ballon est perdu. Il reste maintenant 2 minutes à jouer, hors temps additionnel bien sûr. Sokyun-Jun. L'action qui se poursuit. Il faut qu'il centre maintenant. Un danger qui s'écarte avec l'arbitre. Oh, Nia, ça va, bébé, tu fais quoi? L'équipe visiteuse qui peut officiellement s'emparer des 3 points. C'était un très, très bon match. Vraiment, elle n'a laissé aucun. Moi, je lâche jamais mon béret. C'est ma mort de fabrique, mon béret. Bon, je crois que Pierre, l'homme du match, on l'a sous les yeux. Belle prestation de sa part, vraiment, avec 2 buts et la victoire dans la poche. Ah, tu viens de finir de faire caca. Il a bien raison. Bah, c'était très intéressant à savoir, surtout qu'il y a une troisième personne qui a rejoint le live. Ah, oh non. Ah oui, c'est bien fait ça. Allez, oui, il va y aller. Ah bon, tout le monde fait caca, donc on s'en fout. Ah, je m'en fous. T'as bien raison, bébé. Ça fait bien chier. Et tu vas faire quoi maintenant? Ah putain, il est déjà 18h. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Je vous écoute, messieurs. Avec 2 buts et 1 victoire, Andrade a été héros du match. Quel est votre sentiment? C'est ce qu'a montré Andrade est impressionnant. Il a été excellent. On s'attendait à un match plus serré, vous aussi. C'était un beau duel entre 2 équipes proches l'une de l'autre et c'est nous qui avons gagné, mais le score ne reflète pas la physionomie du match. Bravo pour cette victoire. Comment jugez-vous la prestation de vos joueurs? Globalement, le collectif est bien huilé, comme prévu. Les gars ont bien joué pour décrocher cette victoire.
Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Tu vas faire quoi maintenant, baby? Bon, on est au premier. Donc voilà. Alors, on va aller voir au classement. Alors, Guingamp n'a pas encore joué. Mais s'il gagne, on aura toujours 3 points d'avance sur eux. Ok. Ils ont pas encore joué. L'OM 3ème. Porto dernier, ah ouais. Real 2ème. Perdu un match. Le club de Bruges 3ème, moi ça fallait s'en douter. En Europa League, on en est où? L'Antwerp dernier, dommage. Standard 3ème. Il reste un match, on affronte qui? Salzbourg. Ouh, le gagnant de ce match sera qualifié, donc on a intérêt à gagner, les gars. Moi, je vais vous regarder de ma télé. La Gantoise, 2ème. C'est bon pour un club belge. Ils affrontent qui? Ils affrontent le dernier, donc voilà. Ils ont des points à prendre, ils ont tout à gagner et tout à perdre. Charleroi, dernier. Losc, premier, c'est bon ça. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, on va regarder les stats des joueurs. Meilleur buteur, Andrade avec 18 buts en 16 matchs. Henry, deuxième meilleur buteur avec 12 buts en 14 matchs. Sissoko, 11 buts. Ok, parfait. En passe décisive. Ah ouais, les 5 premiers, c'est des joueurs de Toulouse, quoi. C'est des joueurs de chez moi. Spierling, Kone, Balikwisha, Henri, Van der Bonen. C'est bon ça. En invincibilité, Ochoa est le 3ème meilleur gardien. Avec 7 clean sheets en 14 matchs. Ok. Carton jaune, bah le premier de chez nous. Mais il n'y en a pas, parce qu'on n'a pas de carton, donc tant mieux. Carton rouge, on en a encore moins. Ok, bah, c'est des bonnes stats. Hein. Alors, donc le mois de décembre, il va être très petit. Donc je pense qu'on va faire mois de décembre et le mois de janvier, comme ça fera 5 matchs comme aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans le prochain épisode, on a le mois de décembre et on a le mercato de janvier. Donc ça va être un gros épisode. Ok. Ben, moi je vais couper le live. T'es encore là, bébé? Si j'ai 3 fois, je t'ai demandé d'aller faire quoi, tu m'apparais pas. Ah ouais, Marvin il est connecté sur Twitch, mais il regarde pas son bébé quoi. Ah, je suis déçu. Oui, je suis là et je vais ranger le reste de ma chambre. Ça va, bah moi je vais couper le live. Est-ce qu'on s'appelle? Yes or no bébé? Marvin connecté sur Twitch et il n'est même pas présent sur mon live. C'est Angel qui devient la fan numéro 1 parce qu'elle est là du début à la fin, même si elle est dans le bus, même si elle est à la gare, dans le froid. Marvin, je suis déçu mon frère, je suis déçu, tu me déçois. Yes, ok bébé, je vais couper le live, on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt.